coulisses du Royaume des Lions, la web-série réalisée par le blog Tout Savoir Animaux. Aujourd'hui, dans l'épisode 3, nous irons à la rencontre de Karine, responsable des réservations Lodge, qui nous présentera son métier. Vous pourrez revivre la réouverture du parc zoologique et la reprise des animations pédagogiques. Pour finir, nous vous montrerons l'avancée des chantiers des Lodges et de l'Enclos Lion. Dans les coulisses du Royaume des Lions, l'épisode 3, le parc réouvre ses portes. Bienvenue au zoo de la Boissière du Doré. Merci. Bonjour, je m'appelle Karine. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans le parc en tant que responsable adjointe d'accueil et donc responsable sur les réservations de nos lodges, hein, Africa Lodge. Donc moi, mon rôle au sein du parc est d'accueillir les gens à l'entrée et à la sortie. D'être là, disponible pour toute question durant leur visite. En ce qui concerne donc, la nouveauté 2020, mon rôle, moi, en fait, c'est pas vraiment la plaine des lions, sauf titre d'information, mais surtout sur les lodges qui sont en construction pour fin mars 2020. On entame la cinquième saison. Depuis 4 ans, on va dire que je m'occupe des 4 des réservations et de l'organisation déjà des loges vues pleines girafes. Qui accueillent de 1 à 7 personnes. Et donc là, sur les deux nouveaux lodges qu'on a, donc on en a un lodge familial, ce qu'on appelle un 2x8. Ça veut dire que vous pouvez être de 2 à 16 personnes. De 2 à 8, nous faisons une location sur une partie du lodge. Et à 16, jusqu'à 16 personnes, on déploie ce lodge sur 150 mètres carrés. Et donc le lodge suivant, c'est un lodge Cocooning Spa, hein, ça porte bien le nom. Donc on aura un jacuzzi sur la terrasse, vue sur les plaines Rhino. Vous avez ici Kalindi. Kalindi, elle va avoir 19 ans cette année. 19 ans. C'est une petite mamie. C'est comme si elle avait 90 ans. Alors, vous avez ici la volière d'Amérique du Sud. Cette volière, elle fait à peu près 2000 mètres carrés. À l'intérieur, on a fait un en terre. On leur met de la tourbe en début de saison et ils bricolent leur nid des fois jusqu'à presque 1 mètre de hauteur. Chaque couple fait un œuf au sommet de ce nid. Le premier œuf, on le récupère, on l'envoie à la nurserie, on les met dans des incubateurs et on les élève à la main. Et ils partent dans d'autres parcs zoologiques ou au spectacle. Et eux, ils font ce qu'on appelle une ponte de remplacement. Un deuxième œuf, celui-là, on leur laisse, ils les élèvent tout seuls, leur petit. Donc une fois éclos, le petit flamand fait 10-15 cm de haut, il est tout blanc, gris, et les parents leur donnent du lait. On appelle ça du lait de flamand. En fait, ils régurgitent et ils donnent leur pigmentation. Donc les petits flamands en grandissant deviennent rose-gris, on peut en apercevoir des bébés à gauche là-bas, on les aide noirs. Les parents deviennent rose-pâle, parce qu'ils donnent leur pigmentation. Il y en a un qui est près de l'eau là, qui est tout rose-pâle. Et ceux qui n'ont rien fait de l'année, eh bien ils restent rose-vifs. When I
épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux en postant vos plus beaux clichés des animaux et de ce nouvel espace 2020 du zoo de la Boissière du Doré en mettant le hashtag Le Royaume des Lions. Suivez nos empreintes sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à suivre l'actualité du zoo de la Boissière du Doré et de vos parcs et aquariums préférés sur toutsavoiranimaux.com. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain à 18h30 sur YouTube. Il y aura Maxime du blog Tout Savoir Animaux en ma compagnie.